Bien-aimés du Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, le mardi, le 17 janvier, le thème de la rhapsodie des réalités est la foi, l'effet de la justice. La foi, l'effet de la justice. L'écriture de ce jour est Ésaïe chapitre 32, le verset 17. Ésaïe chapitre 32, le verset 17 nous dit « L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Amen. » Le pasteur Christ nous dit ceci « Notre verset d'ouverture, ci-dessus, fait mention du repos et de la sécurité comme étant l'effet de la justice. » C'est ça la foi. La foi, c'est être au repos ou avoir une confiance sereine que les choses attendues se réaliseront favorablement. Hébreux chapitre 11, le verset 1 nous dit dans la version TLB, « La foi est la ferme assurance que quelque chose que nous désirons est sur le point de se réaliser. » Cela décrit parfaitement l'effet de la justice que nous avons lu dans notre verset d'ouverture. On pourrait plus simplement lire ceci, « Et l'effet de la justice sera la foi. » Oh, alléluia! Dans tout l'Ancien Testament, le mot « foi » n'apparaît que seulement deux fois, et ce n'était pas en rapport avec des hommes démontrant la foi envers Dieu. La première fois qu'il fut utilisé dans l'Ancien Testament était dans Deutéronome chapitre 32, le verset 20. La seconde fois était dans Habacuc chapitre 2, le verset 4 qui nous dit « Mais le juste vivra par la foi ». Une référence prophétique envers la nouvelle créature. Mais à présent la foi est arrivée, c'est notre mode de vie. Étant nés de nouveau, nous sommes nés justes, et l'effet de la justice est la foi qui déplace les montagnes. Oh, alléluia! À cause de la justice, vous avez le pouvoir sur toutes les crises. Vous régnez sur les éléments et les influences corruptrices de ce monde. Vous pouvez vivre sans crainte, sans inquiétude, sans conflit et sans trouble. Ésaïe chapitre 54, le verset 14 dit, nous dit, « Tu seras affermi par la justice, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera point de toi. » Oh, alléluia! Plus de peur ou d'oppression dans la vie, parce que vous êtes affermis dans la justice de Christ. Vous n'êtes plus sous la juridiction des ténèbres, de ceux qui sont oppressés par les circonstances, les situations, les esprits démoniaques, etc. Vous avez été transportés dans le royaume du Fils d'amour de Dieu, c'est-à-dire le règne des bénédictions, de la domination et de la gloire. Oh, Dieu soit loué. Alléluia, alléluia. Chers amis, faites cette confession avec moi, s'il vous plaît. Je marche dans la conscience de la justice de Dieu, fermement affermi en Christ. Je vis au-dessus des éléments et des influences corruptrices de ce monde. Je vis sans inquiétude, sans conflit et sans trouble. Je marche dans la gloire, la domination et dans la force de Dieu. Oh, alléluia, alléluia. Pour plus d'études, je vous invite à lire Hébreux chapitre 11, le verset 1 et Matthieu chapitre 17, le verset 20. Hébreux chapitre 11, le verset 1 et Matthieu chapitre 17. Le verset 20, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus
comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.